Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais te montrer les créations que j'ai réalisées tout au long du mois dernier. C'est mois d'avril. C'est ça, les créations du mois d'avril. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, à l'heure d'aujourd'hui je n'ai... À l'heure d'aujourd'hui... Non. Ça se dit pas. Mais je n'ai... Bref. Je n'ai plus le temps pour moi, c'est la misère. Et du coup là ce mois-ci, ça s'est... Enfin, le mois d'avril, du coup ça s'est... Vraiment... Très, vraiment, beaucoup. Ça s'est vraiment ressenti, tout simplement. Je n'ai fait que 9 bijoux. Enfin, normalement, il y en avait 12, mais il y en a 3 que j'ai foutu à la poubelle parce qu'elles étaient horribles. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai dit, tu vois, pouf, ça dégage. Du coup, j'ai fait que 9 bijoux, 9 colliers. Donc, normalement, cette vidéo-là devrait être plutôt rapide. Encore pour ça, faudrait-il que tu arrêtes de parler? Ça serait beaucoup plus avantageux. Donc comme d'habitude, tous les bijoux que tu vas voir dans cette vidéo seront disponibles sur ma boutique. Et le lien est en barre d'infos, mais bien évidemment, je dis ça, je dis rien. Encore heureux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent quand même, non? Ça va de soi. Du coup là, au niveau du ponçage, ça a été beaucoup plus rapide que les autres fois d'avant. Parce que j'en avais beaucoup moins à faire. Ça c'est cool. Alors normalement, j'avais dit que chaque mois, j'essaierais de faire un thème Disney. J'avais déjà fait Ariel la petite sirène et La Belle et la Bête. Normalement, ce mois-ci, je devais faire Cendrillon, mais j'ai... Impossible. Je n'ai pas trouvé le temps de faire quoi que ce soit. C'était vraiment très compliqué. Et pareil, à un moment donné, pour les mois qui vont suivre, ça va être la même chose. Hein. Je ne vais pas avoir le temps de faire quoi que ce soit. J'ai quand même réussi à réaliser 2 tasses pour mes cousins. Vous vous souvenez? Tu te souviens de la tasse que j'avais réalisée pour mon papa? Mon papy grincheux, avec un des 7 nains, grincheux bien évidemment. Et bah, ça a beaucoup plu aux femmes de mes cousins. Et elles m'ont passé commande. Donc du coup, mes cousins, ils ont la même tasse que mon père. Enfin, pas la même, non. J'ai fait exactement la même chose, mais à chaque fois, c'est jamais le même... Ça ressort pas pareil. Je sais pas faire les choses à l'identique. C'est toujours... C'est jamais la même chose, quoi. Alors, faut pas croire, hein, on n'est pas tous dans la famille, on n'est pas tous des grincheux, hein. Ça touche que les hommes. Du coup, bah, j'ai refait 2 tasses grincheux pour mes cousins, de la part de leur femme. Bah, c'est mes cousines, hein. Ça revient au même, hein. C'est comme mes cousines. C'est mes cousins. Mes cousines par alliance. T'as compris? Bah c'est très bien, nickel. Donc du coup, ouais, bref, mes cousins ont la même tasse que mon papa. Et du coup, bah maintenant, on enchaîne avec les bijoux. Et tu vas voir, hein, je me suis pas du tout cassé le cul. J'ai fait des choses toutes simples, sans prise de tête. Et du coup, le premier bijou, en fait, il y en a 4. C'est des colliers de l'amitié en 4. Parce que j'ai toujours fait des colliers de l'amitié par 2, 2 par 2. Mais parfois, l'amitié, ça dépasse 2 personnes. Hein. On peut être 3, 4, 5, 6, comme on veut. Du coup, là, j'ai fait mon premier bijou de l'amitié en 4. En quadruple. Voilà, comme ça, il y a 4 petites filles. Des petits garçons. C'est plus pour les filles, hein, faut l'avouer. Il y a 4 petites filles qui auront le collier de l'amitié, quoi. Voilà, en forme de pièce de puzzle avec des petites boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Pas eu le temps pour au mois d'avril de faire quoi que ce soit, puis en même temps je me dis est-ce que c'est bien grave, parce qu'en ce moment sur YouTube c'est le néant, hein. Il se passe plus rien, donc au final personne n'est gagnant et personne n'est perdant, ça revient exactement au même. Ensuite le collier suivant, il est tout en translucide, j'ai utilisé que de la pâte translucide avec un peu de blanc pour faire le fond et puis bah voilà, le tout teinté avec des encres à alcool. Et du coup, des petites boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Musique.
le thème marin, j'ai des petites bulles. C'est juste des petites bulles, des bulles d'eau. Ça fait des bulles d'eau parce que j'ai fait des en bleu. J'aurais fait une autre couleur, ça aurait été d'autres bulles. Des bulles de peinture. Bon, bref, on s'en fout. Bref, c'est des petites bulles. Enfin, voilà, c'est tout. Avec les petites boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Il est en paillettes. Voilà, j'ai essayer de faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Du coup, j'ai mis des petites paillettes. Le cinquième collier, c'est avec des petits papillons et puis un effet jean. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait mon effet jean et j'adore ça. Donc bref, voilà ce collier-là. Ensuite, on enchaîne avec le prochain collier, c'est une petite pierre rouge. Enfin non, j'ai utilisé des encres, l'encre couleur corail, mais ça fait pas vraiment corail, ça fait plus rouge. Enfin si, enfin ça fait les deux quoi, voilà. Et j'ai mis cette petite pierre sur une lune. Je trouve tout mignon, tout choupinou celui-là. Arrive au septième collier et celui-là il a été très 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 long à réaliser, l'air de rien hein. Ça se voit pas comme ça mais j'ai passé bref, du coup voilà, c'est un petit bijou fleuri, on va dire ça comme ça, avec les boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Arrive à l'avant-dernier collier et je me suis amusée avec les formes hexagonales. Voilà. Et je me suis fait, c'est pareil dessus, je me suis amusée avec, à faire plein de petits tests à droite à gauche. J'ai essayé plein de petites choses, enfin deux. J'ai essayé deux petites techniques sorties de nulle part. Je sais pas, je me suis inspirée de quelque chose et puis je me suis inspirée de rien en même temps. Bref, ouais, voilà. Avec les boucles d'oreilles assorties offertes en cadeau. Et on termine avec le dernier collier. Et voilà. Là, je me suis inspirée des panneaux qu'on voit, des panneaux de signalisation que j'ai remixés à ma façon, avec des petits mots d'amour, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Lui, moi, nous et eux, mais de la flèche dans l'autre sens. Avec des petites roses et un papillon. Un collier très romantique, l'air de rien. Et donc bah voilà, j'ai déjà fait tout le tour des créations que j'ai réalisées tout au long du mois d'avril. Oui, c'est ça, au mois d'avril. C'est tout, j'ai fait tout le tour. Voilà. Et comme je l'ai dit, bah, ça casse pas trois pattes un canard. Ça c'est clair, c'est le mot que l'on puisse dire. T'étais pas obligé de le dire ça. Donc bref, bah voilà, c'est bon, j'ai fait tout le tour. Donc du coup, c'est l'heure de couper court à cette vidéo. Donc j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais elle est folle. Si jamais tu as des idées de tutos, n'hésite pas à me le faire savoir. Si je peux le faire, hein, je suis pas une spécialiste, mais si je peux le faire, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Donc n'hésite pas à me le dire. Maintenant, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut que je trouve le... À l'heure d'aujourd'hui, hein, j'en veux à cette expression. Hein. Faut que je trouve le temps. Mais ça se fera. Faut juste être patient. Quoi. C'est tout.
Comme d'habitude. Et donc, du coup, on s'arrête là. Je coupe cette frange, c'est trop long là. Moi, je t'ai fait tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!